aussi, quand il est plein, je pense qu'il... Je sais pas s'il pèse pas 5 kilos. On propose une cuisine toute simple, des produits du terroir et de la ferme, hein, principalement. Fromage, fondu, tranche au fromage, assiette valaisanne. Enfin, moi, j'appelle ça assiette de Chanlon, parce qu'on a ici. La soupe, et puis des gâteaux et des petits desserts. Ça fait combien d'années, maintenant, vous êtes ici? Alors, depuis le 15 juillet 2017. Alors, il faut s'imaginer qu'on est dans une ancienne écurie où les vaches dormaient. Donc, où il y a l'étable aujourd'hui du réfectoire et il y avait des vaches. C'était une écurie, il y avait trois compartiments. Donc, à l'entrée, le haut d'entrée, on avait la fromagerie et puis la cuisine des bergers à l'époque. Donc, la deuxième écurie, c'est, on va dire, c'est une zone de détente. Alors, d'un côté, c'est où les parents boivent l'apéro. Et puis de l'autre côté, c'est où les enfants ils peuvent jouer et faire les dessins. La troisième écurie, eh ben, c'est le dortoir, où il y a 20 places. Groupe, j'aime mieux prendre qu'un petit groupe, puis l'ambiance est plus sympathique que d'être les 20. Et puis, on a aussi une petite chambre où on a équipé aussi un petit coin pour les jeunes enfants. T'aimes bien être ici en haut? Oui, j'aime bien la montagne. Tu donnes un coup de main à maman? Ouais. Cette année un peu moins, je reste plus avec le bétail, mais là, si elle a besoin d'un coup de main, je vais lui donner. Qu'est-ce que tu préfères faire? Moi, je suis plus avec le contact avec les gens. Puis cuisine? Cuisine, oups. Moi, ça me dérange pas, je fais un peu de tout. Tu prépares quoi? Tranche au fromage. T'es le pro? Ouais. Toi, qu'est-ce qu'il y a qui te plaît d'être ici? C'est le contact humain. Tu fais des rencontres, des fois inoubliables, parce que tu rencontres des gens que tu n'aurais pas l'occasion de voir finalement ailleurs. Et puis les gens qui viennent ici, ils sont tous de bonne humeur, ils sont sympathiques, ils sont ouverts, ils sont... Ouais, on fait des bons rires.